Allez, salut à tous les amis, c'est Learn to Play. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Prison Architect. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas joué, alors que ça fait juste une semaine. Alors je me suis éclaté un petit peu pour l'occasion, hein. Je me suis dit, je rejoue à Prison Architect. Alors je me suis fait plaisir, j'ai mis un petit mode. Prisonnier essayer de se barrer. J'ai mis un petit mode, alors il change pas grand chose, hein, ne vous inquiétez pas, il ne change pas le gameplay, je change juste l'aspect graphique du jeu. Voyez, on se retrouve dans une prison militaire où les gardes basiques et les gardes armés sont transformés en véritables unités d'élite de l'armée. Les gardes de base sont avec des petits bérets, ils ont des bérets avec des combines kaki, voilà, ils sont magnifiques. On a le modeur a même utilisé la police qui fait un petit peu armée américaine. Je trouve ça marrant, c'est vraiment bien pensé. Sur les lits, sur les couvertures plus exactement, nous avons des sigles qui Army Property, ouais, voilà, donc propriété de l'armée. Attendez, j'essaie de vous trouver un garde armé. Je crois qu'il y en a un qui se balade ici. Vous allez voir, c'est assez assez impressionnant, les gardes armés. Oh, il y a des caisses militaires. Tabé. Pourtant, mais ils sont où, les gardes armés, dans cette prison à la con? Ah, voilà, il y en a un ici. Regardez-moi ça. Alors, le type, c'est une véritable unité du... ouais, bref, vous me comprenez. Non, c'est pas GIGN, c'est... SWAT. Ouais, bref, une connerie comme ça. Unité d'élite avec un taser à la ceinture, c'est la classe. C'est une M16 ou un sniper derrière, c'est superbe. Je m'y connais absolument pas en armes, mais... enfin, un tout petit peu. Lui, il a l'air con. Et avec sa petite bouche, il sourit. Et avec ses plateaux, là, son petit plateau, là. Et vous voyez, ils font vraiment peur, hein, les patrolling. Alors là, putain, je vous dis, vaut mieux pas se retrouver en face de leur gueule. Puis après, sinon, bah, ça change à peu près. Bah, c'est tout, quoi, je crois. Oui, alors par contre, s'ils pouvaient, voilà, hein, ça m'arrangerait, quoi, bon. Du coup, la semaine dernière, nous avions commencé à construire la salle, bah on avait même terminé à construire la salle d'exécution, et on va pouvoir expérimenter ça, vu que j'ai assez de prisonniers. Maintenant je suis à 224, wouah, la vache! Et j'ai une capacité de 230. Va falloir que je fasse attention, sachant que ce bloc n'est pas terminé. Il y a encore plein de cellules. Ok, j'ai encore une marge de manœuvre. 401 $ de cash flow. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'on a vendu, mais c'est pas grave. Alors, on va pouvoir expérimenter, disais-je. Pourquoi le... ah, putain, il y a ce bout de tuyau de merde qui veut pas. Si vous pouviez le... construire, ça m'arrangerait. Ok, alors je ne sais pas s'il faut un interrupteur pour la salle d'exécution, non. Il me semblait que dans le didacticiel, quand je l'avais fait il y a de ça très longtemps, un an quasiment même, voire plus, il me semblait que vous savez, dans le petit tutoriel, dans l'espèce de pseudo petite mission là, on vous montre un prisonnier en train de se faire exécuter, il me semblait qu'il y avait un interrupteur, mais bon, je ne sais pas. Bref, on va pouvoir commencer les exécutions. Alors, je n'ai aucune idée de comment ça se passe. Comment on fait pour exécuter? Ah, si, je suppose que lorsque l'on construit une salle d'exécution, ça me paraît logique. Enfin, je veux dire, ce que je vais vous dire après, ça me paraît logique. C'est pas construire une salle d'exécution qui me paraît logique. Ça me paraît logique que, justement, on m'envoie des prisonniers sous peine de mort, en fait. Enfin, ayant reçu une peine de mort, ayant été condamné à mort plutôt, c'est plus juste. Je suppose que ça va être comme ça. Non. Ah non, lui il a rien, lui. He's the baddest man alive since a certain white black man. This malevolent degenerate can kill a person with any part of his body. Yes, any. Oh shit! C'est quoi cette description? Finally apprehended with the help of Free Army Battalion. Ah, mais d'accord, ok, les biographies vont avec le mode. Ah, c'est cool ça aussi. Le mec s'est fait chier. Enfin, je sais pas s'il est tout seul, mais en tout cas, l'équipe ou le modeur qui a fait ce mode, franchement, il s'est. Ouais. Il a bien bossé dessus. Il a bien bossé dessus, le bougre. Voyons voir celui-là. Sentenced to 3 years for assaulting. Office, un office, ouais, bon, il y a quelques petits bugs de police, mais c'est pas grave. Ah, il a plaidé non coupable. Il a que 3 ans.
Bon, mais il va. Le mec, il sera arrivé dans la prison. Il aura crêché dehors pendant 3 jours. Il sera déjà reparti. C'est un petit peu bizarre, ça. Donc, ils ont toujours pas installé ce toyau. Oh, ce toyau. Je sais pas à quel autre mot je pensais quand j'ai dit ce toyau. Mais je veux pas savoir ce toyau. Bref. Ici, on avait construit une troisième power station pour alimenter rien que la salle de. D'exécution. Attendez, mais j'ai. Attendez, je suis gouré. C'est pas ici que je voulais. Attendez, j'ai fait ça exprès, non? J'ai fait encore une power station. Étrange. J'ai combien de. Ah, 273 000 dollars. Ok, c'est bon. Mais du coup, est-ce que c'est. Je vais utiliser celle-ci comme power station? Je ne sais pas, parce que là, ça risque de péter si je prends la. Ah ouais. Ouais. Non, je. Ah non, d'accord, non, c'est que j'ai pas relié. J'ai juste pas relié le. La chaise électrique, tout simplement. J'ai relié la salle, mais pas la chaise. Ok, c'est bon, oui, je m'en souviens. Ça y est! Ça refait surface, ici, ouais, machin et tout. Putain, je gagne 11 000! Bon, là, ça avance trop lentement, je suis désolé. Pionnière! Putain, il les a appelés les pionnières. Allez, voilà, j'en ai embauché 6. Vous avez intérêt à bosser, bande de feignasses. D'ailleurs, on va accélérer le temps. Oula. Petite remontée, là. Qu'est-ce qui se passe ici, fail? Il est mon site. Quoi? Room. Waouh, c'est un petit peu compliqué pour voir maintenant, parce que même les icônes ont été un petit peu retravaillées, bah, un tout petit peu, juste les contours. C'était quoi déjà ça? Holding cells. C'est quoi? Bon, pff, sûrement un bug, je ne sais pas. Ah, c'est quoi ça? Ah, Forest Try, d'accord. Room, Forest Try, celle-là. Voilà! Bon, petit bug sans importance. Wouah, putain, comment ça se bouscule ici? Y a pas un garde? Qu'est-ce que tu branles, toi? Hein? Ça, c'est ce nombre de. Oh là là, ces familles, c'est impressionnant. Ils passent par la cantine. Ah non. Ah non, d'accord, c'est les ouvriers, j'ai eu peur. Est-ce qu'il y a des gens ici? Ah oui, on m'a dit une chose. Oui, on m'a dit de faire une chose. Mettre des téléphones. Mettre beaucoup de téléphones parce que ça satisfaisait le besoin de famille. C'est où, d'ailleurs, les téléphones? Faune. On va rajouter la masse de téléphones. Parce que, ouais, c'est très important pour les prisonniers. Ça satisfait le besoin de famille. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent le sujet de disputes assez violentes qui finissent par des morts. Pourquoi je ne peux rien construire ici? Aucune idée. On met des téléphones. On met des téléphones. Plein de téléphones. Plein de téléphones. Les téléphones. Les téléphones de l'amour. Ah, c'est parce qu'il y a des arbres. Ok, fallait le dire. Bon, allez. Non, téléphone. Voilà, on va vous satisfaire vos besoins, bande de goujats. Du coup, ici, il n'y a pas de yard. Faut que j'en refasse un. Je l'avais dit aussi, ça, il me semble. Ah, bah tiens, il y a de la place. On va mettre des téléphones ici. Voilà. Ça me paraît bien. Ça vaut 300 $, ces merdes, là. Quand on y pense, c'est pas. Enfin, si, c'est hyper cher pour. Enfin, pour une prison, bon, ça va quoi. Hop. Téléphone. Ah, faudrait peut-être que je refasse des laveries, effectivement. Effectivement, oui. Bon, en tout cas, mes ouvriers ont du boulot. Je vais refaire juste un petit tour. Ouh, putain. Ouh là là, ouh là là. Heureusement qu'il y a des gardes là. Heureusement qu'il y a des gardes. Oh, j'ai trop de prisonniers. On va couper l'arrivage. Prisoners. Closed. Closed. Voilà. Parce que là, j'ai un petit peu trop de population. On va attendre un jour que ça se calme, que les cellules soient terminées ici. Ça devrait le faire. Ouais, on devrait avoir pile assez, quoi. Jusqu'à temps que ce soit terminé. The bed. C'est bon. Ok. Toilets. J'ai pas mis toilet ici. The toilets, pardon. J'ai pas mis toilet. The toilets. Ah, j'ai pas mis toilets ici. Toilets. Pas toilets. J'aime ce mot.
Shower. Ah, ok, d'accord, tu m'étonnes. Si tu mets shower à la place d'une cellule, tu m'étonnes que ça ne marche pas, quoi. Bon. C'est toujours pas assez. Il manque que deux cellules. Bon, quand même, ça limite le nombre de personnes en holding cell. Oh, la classe est remplie. Ouh, putain, il fait peur, lui. Reform program. Où est le teacher? Teacher. Teacher. Qu'est-ce qu'il fout, le teacher? Il est où, le teacher? Il est où? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il est où, le teacher? Ah, il est là, d'accord. Non, en fait, il est invisible. Il n'a pas été représenté. Oh, putain. Teaching. Ok, c'est bon. Vous avez été teaché. Oh, putain, il veut pas construire ce pipe à la con. Oh, je sens que ça va mettre 3 plombes. Faut qu'il finisse ses cellules. Une fois que ce sera fait, on sera ok. Bon, je regarde toujours, jette un petit coup d'œil à l'armurerie. Mais il y a deux gardes, il y a un garde armé dedans. Le garde armé fait sa petite ronde à l'intérieur. On va bientôt pouvoir lancer encore le... Je sais pas combien tième bloc c'est, mais en tout cas, il... C'est le... Bref. C'est le... Oh, je sais pas combien. Ça doit être le 7ème, ouais, non, je sais pas, non. 4, 5, 6, 7, ouais, c'est ça. Sans compter cela, ça doit être le 7ème bloc. Ouh, choper avec un marteau, c'est bien ça. C'est très très bien. Alors, eux, ils ont encore plein de trucs à installer. Un arbre à pousser. Un mec a été chopé avec un drill. Ah, attention, un mec qui a tenté de se barrer définitivement de la prison et qui est pas allé bien loin d'ailleurs. Ok, bon. J'aimerais bien pouvoir utiliser cette. Comment ça s'appelle? Cette salle d'exécution à la con. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Comment ça marche? Switch. On. Alors, je ne sais absolument pas comment on fait. Dites-moi alors comment ça marche la salle d'exécution. Parce que je ne m'en suis jamais servi. Moi, je suis pas comme ça. J'aime pas la peine de mort. Je ne m'en suis jamais... Servi, j'ai jamais fait de salle d'exécution dans mes prisons, même en solo. Hein. Du coup, je ne sais absolument pas comment ça marche. Est-ce qu'il faut attendre que des prisonniers spéciaux, c'est-à-dire condamnés à mort, arrivent dans votre prison? Ou alors, est-ce qu'on peut exécuter tout le monde? Attendez, je vais voir. Hein. Je vais jeter un petit coup d'œil dans Room. Room, c'est où ça, l'exécution? Exec. C'est... Oh! Oh putain! Oh putain! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a pété? C'est quoi ce délire? Hein? Pourquoi ça a pété? Ah merde, c'est peut-être parce qu'ici c'est relié. Flûte. Attendez, je vais dismantle ça. Oh, du coup c'est la merde. Du coup, c'est la merde. Bon, bah, ok, on a du boulot. Alors, switch on. Switch on. Switch on. Ah, c'est cool, maintenant, il y a le petit icône. La petite icône pour nous indiquer quand elle est on. Oh, j'adore ce bruit. Oh là là, ça, c'est chiant à faire. Hein. Décidément, c'est absolument pas prévu. Mais quand ça arrive, ça casse bien les noisettes. Eh. Alors... Ok, c'est bon. Du coup, ça c'est complètement mort. Ouais, je suppose que c'est à cause de ce fil à la con. Oh putain. Ah, c'est bon, il a été ouvert. Alors vas-y, on va faire un test. Donc, je vais d'abord switch on toutes les batteries, histoire de bien faire chier. Oui, je sais, je casse les couilles. Pendant ce temps, je peux vous parler de plein de choses. D'ailleurs, je pense tourner premier épisode Elle est Noire très très bientôt. Vous l'aurez sans doute bah, en fin de semaine. Peut-être ce week-end. Si aussi j'arrive à faire une... Ok, ça marche.
si j'arrive à faire une nouvelle intro là, parce qu'il faut que je bosse dessus. Vraiment là, je galère un petit peu sur cette intro d'ailleurs. J'essaie de me prendre la tête, je me creuse, je travaille. Enfin, je travaille, non, je bosse un peu aussi. Ouais, enfin, non, c'est pas vraiment du travail. Mais je veux dire, voilà, je prends du temps. J'essaie de m'investir dans cette. Ah, bah tiens, il a fait un trou lui. Dans cette intro et dans cette outro. En faisant pas forcément un truc super compliqué, mais je veux que ça me plaise. En tout cas, faut que ça me plaise. Et la plupart des intros que je suis en train de faire, là, enfin, il y a toujours un truc qui va pas et qui fait qu'en gros, j'arrête pas de changer. Putain, qu'est-ce qu'il fait sur la route, lui? Putain, mais. Oh, il s'est chié dessus. Ah, c'est pas beau, ça. Lui, il s'est vomi dessus. C'est pas beau, quoi. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous vous rendez compte? 6 mecs à crécher dehors, vous avez pas honte? Et eux, pourquoi ils sont pas chez eux là? Ah. Ça commence à être serré chez les high risk. Ouais. Ça commence à être serré. On va attendre que ça se désengorge un petit peu. Bah, pour le coup, là, c'est carrément l'inverse de ce qu'on voulait au départ. Enfin, au départ, il y a quelques épisodes. On voulait que le nombre de prisonniers augmente considérablement pour passer les 200. Mais alors là, pour le coup, je demande qu'ils baissent un petit peu. Donc, on va pas réouvrir les ports avant quelques jours. Déjà en plus on va se faire un peu de thunes. Ça c'est bien, ça c'est pas mal. Lui, je sais pas ce qu'il fout, il est au coin, il a envie de chier encore. Ok, bah. Désolé. Non mais du coup ça fait chier. Comment on fait pour l'électrique charge? Je suis sûr qu'en plus c'est expliqué dans une des enclose. Quoi? Enclose surrounded by a wall and door. Qu'est-ce qu'il me dit? Room. Hein? Quoi? Attends. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ah, attendez, je vais passer le temps vite. Ah, c'est bon. Non, c'était bugué. Oh, c'était bugué, comme d'hab. Surrounded fun boots. Ah, mais putain, c'est quoi ça? Putain, je mets des bouts de salle un peu partout. Ici, qu'est-ce qu'il veut? Ah, j'ai pas mis de porte. Effectivement. Ah, c'est vrai que maintenant, il y a besoin d'une porte. Il y a besoin d'une porte maintenant. Ok, d'accord. Je savais pas qu'ils avaient rendu obligatoire ce paramètre. Parce que avant, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'avais commencé à jouer au jeu et que j'avais fait quelques vidéos dessus, on avait la possibilité de ne pas fermer les portes. Les prisonniers restaient quand même dans leurs cellules. C'est bon à savoir ça. Bon, bah tout se passe bien, mais ouais, ça m'emmerde. Ça m'emmerde un petit peu. Même carrément, même. Là, ça m'emmerde un petit peu. On va essayer de trouver. Alors voyons voir, non, ce n'est pas ici. Oh putain, il avait un revolver! Wouah, il avait un revolver, le mec! Le mec! Lui, il avait des ciseaux. Alors voyons voir la tête que t'as, toi. T'avais des ciseaux, vieux bougre. Alors attendez, c'est où? Policy. Ah, est-ce que. Punishment. Ah, voilà, est-ce que je peux définir des peines? Est-ce que je peux définir des peines? Peine de mort, ce serait énorme. For found weapons. Solitary, lockdown. Ah, je peux pas faire plus? Oh, c'est nul ça. Ah, ça c'est. Ah, flûte, non. Non, ce n'est pas comme ça. Bon, c'était une bonne piste, mais. Ah, oui, alors là c'est le menu des prêts. Alors, use your account to raise this limit, contact expert, ouais, machin, machin. Je peux avoir beaucoup d'argent là. Et je peux bank loan. Ouais. Ah, ici, c'est tous les contrats que j'ai complétés. Oh putain, j'en ai complété plein. J'ai encore ceux-là qui me restent. Je peux emprunter, bien sûr, mais alors c'est pas ici. Programs. Thank you, zero interest. Zero interest, stops. Ah, il y en a pas mal qui sont. Foundation Education Program. Ça, c'est où, Foundation Education Program? Je sais pas où ça se passe. Ah, il y en a 20 qui ont été initiés parfaitement au cours de Safety Induction. C'est cool, ça. Là, ok, c'est la balance. Sell shares. Ah oui, sell shares. Ça, j'avais oublié, c'était cool, ça. Je me souviens que j'avais dit que c'était pas mal comme idée, ça. On peut vendre une partie de notre prison pour un certain montant. Et on perçoit à chaque fois des petits intérêts, c'est cool ça. D'accord, et on possède une part importante de notre prison. Oh, flûte! Attendez.
Attendez, attendez, attendez. Oh la vache. Unconscious. Ouh. Oh, elle a pris cher la pauvre. Oh la mamie, en plus il y a son sang qui s'étale par terre là. Tired. Oh mais tu m'étonnes, tu viens de te faire défoncer la gueule. Si tu pouvais le soigner. Ouais, c'est bon, la soigner. Vas-y, tu peux te barrer maintenant, c'est bon, t'as faim, c'est parfait. Ah, niveau bouffe, là, ça commence à être un petit peu sévère. On va voir les besoins. Les besoins. Ouais, food. Ouais, food, c'est pas si génial. Hein. Ouais, c'est pas génial. La plupart, ils ont faim. Pourtant, il y a de la bouffe. Ils sont tout le temps en train de préparer. Les types, ils en peuvent plus, les cuisiniers, là, ils sont... Il y a de la bouffe partout. Ah, mais c'est normal, c'est parce qu'ils ont pas bouffé. Mais ils ont pas le temps de nettoyer. Ils ont pas le temps de nettoyer. Ah, ça, c'est con, ça. Eh oui, c'est un problème. Ils ont pas le temps de... Non, c'est pas ça que je veux. Je vais mettre ça. Je vais mettre encore un lavabo ici. Il nous faut des lavabos. Ouais, parce qu'ils ont pas le temps de nettoyer, les bougres. Regardez ça, il n'y a plus de place. Trop de plateaux. Il faut plus de cuisiniers. Attendez, je vais embaucher un peu plus de cuisiniers. On va en embaucher 3 de plus. Alors, je vais faire ça assez lentement. Donc voilà, là, normalement, 35%, c'est tout. Mais c'est étrange. Est-ce qu'ils bouffent ici? Ouais, pourtant ils... Ah ouais, mais ils sont pas mal là, je vais rajouter. Attendez, je vais rajouter des serving tables parce qu'ils commencent vraiment à être beaucoup. Mais pourquoi ils veulent passer par là eux? Non, 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 mais cassez-vous. Vous ne passerez pas ici. Non, mais viens pas leur ouvrir. Il est sérieux lui? Ils arrivent pas à passer. Attendez, je vais vous ouvrir. Voilà. Ah, parce que vous êtes un petit peu con. Normalement c'est une stave door ça, vous avez pas le droit de passer par là. Plus je vous ai laissé l'ouverture ici quoi. Vous êtes sérieux les mecs? Vous êtes sérieux? Bon, on était où nous, je voulais dire pour deployment. Ah, ils ont mis une petite étoile. Comment je fais? Staff only, max only, med security only, job achievement. Ici je sais pas comment faire hein, pour exécuter quelqu'un. C'est horrible de dire ça comme ça, mais bon. Comment on fait? Attendez, j'ai fait un petit peu près tout. Job, ouais, machin. Y'a pas un type qui veut mourir là? C'est marrant parce que je viens de voir un truc. C'est que on a pas mal d'armes en stock, mais y'a aucune demande d'armes. C'est marrant, hein. On se demande pourquoi, 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 pourquoi. Putain, mais ils ont vraiment pas le temps de nettoyer. Hein. Oh là 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 là, ils sont au taquet, les pauvres. Ils peuvent pas, il y en a un là, il fait la vaisselle, il fait... Je frotte, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Une, une, une. Oh, le pauvre, il en chie. Putain, il y a trop de plateaux, quoi, il y a trop de plateaux. Trop de plateaux. Bon, la bouffe est prête. Ils ont pas faim, en fait. Ah, il y a personne qui bouffe. Vous êtes sérieux? Attendez, je vais juste voir ici. Et pourtant, ils ont la dalle, je comprends pas. Pas de bouffe ici, c'est pour ça, il n'y a pas de bouffe. Ils crèvent la dalle, eux. Ils crèvent la dalle, mais il n'y a pas de bouffe. Putain, mais ça, c'est bugué, les cuisines, c'est chiant. Hein. D'ailleurs, c'est chiant. Je sais plus ce que mauvais... Ah, mais ici, c'était Med. Non, mais c'est chiant parce que ils se répartissent mal, les cuisiniers. Putain, mais ici je devrais la virer cette cuisine. Je vais la virer, ouais. Non, je vais la virer. Je vais virer cette cuisine parce qu'elle sert pas. J'ai l'impression. Mais en tout cas, c'est bugué. Résultat, les prisonniers, ouais, ils ont la dalle. Non. C'est pas bon ça, ils ont trop la dalle. Ici, ils préparent pas, quoi. Ils préparent pas, les types, quoi. Ils ne préparent pas. Ça, c'est un petit peu problématique, voyez-vous. Bah, je pense qu'on va détruire cette. Allez, détruisez-moi ça. On va pas. Voilà, détruisez-moi ça. Comme ça sera fait. Et là-dedans,
On dismantle. On dismantle. On dismantle. Ah, c'est bien, ils ont compris. Ah, génial. Oula, 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 oula. Oh putain, ils ont fait ça rapido, ça. Pourquoi il y a une room ici? Ok. Alors maintenant. Hop, hop, hop. On s'arrête 2 secondes. On remet les murs. On va remettre du sol. De la mosaïque. Ah merde. Ah, flûte. Il faut que je remette une salle. Ça c'est chiant, hein. Je suis obligé ça. Sinon ça compte pas comme une salle. Non, une salle. Voilà. Faites-moi une salle là. En termes de matériaux, concrete floor, indoors. Non, c'est pas ça. J'ai mis ça. C'est paving stone. Paving stone. Ah, auto saving. Ok. Donc vraiment, dites-moi comment exécuter quelqu'un dans les commentaires. Ça m'aidera. Ça m'aidera. Ça m'aidera. Bon, vidéo pas super mouvementée, dites-moi. Mais c'est con, j'aurais voulu savoir comment faire pour la pour ça. Bon, bah je pense que je vous tournerai du SimCity demain. Ah, mais ils ont la dalle, les mecs, ils ont la dalle. Ils ont la dalle. Donc je pense que je vais commencer plein de nouvelles séries, comme ça ça fera plus de diversité, parce que là c'est vrai que ça commence à être... ouais, ça commence à stagner un peu, Prison Architect. Faudrait que je vois pour... peut-être arrêter un moment ou reprendre que quand il y a des mises à jour intéressantes, quoi. Déjà, je vais vous faire des vidéos sur Godus. C'est certain. C'est très certain et après, je vais voir. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que Prison Architect... Bah là en plus je sais pas comment on fait pour exécuter, alors ça m'emmerde bien, voyez-vous. Du coup, attendez, on va juste accueillir de nouveaux prisonniers. On va prendre des, ouais, juste des high risk. Voilà. On a la possibilité, combien? 16. Oh putain, c'est beaucoup, 16. 16, ça fait 46, 40. Ouais non, je serai en surcapacité, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, il y a combien de personnes? Ah, il y a personne pour être libéré là. Je vais passer le temps vite. Tout le monde dort, c'est parfait. Bon, j'ai pas eu vraiment beaucoup de baston. On est déjà au 70e jour. C'est pas énorme. J'ai l'impression que ça fait 100 ans qu'on joue et pourtant... Et pourtant, on est qu'au 70e jour. C'est étrange. Mais du coup, ici, ils produisent plus rien. Un sales price. Oh my god. 1400. Oh, c'est énorme. Pour 28 planches. Oh, 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 attendez, je vais vendre ça là. Comment je fais export? Ah, c'est une salle export. Ah, c'est une nouvelle salle. Ah, génial. Nouvelle, un nouveau truc export. C'est peut-être pour ça que je peux pas vendre en fait et que je vends rien depuis je sais pas combien de temps là. C'est parce que j'ai pas fait la salle export. D'accord. Bon, on va la faire là. Voilà. Attends, qu'est-ce qu'il veut là? Non, c'est bon. Voyons voir comment ça marche. Export. Est-ce que j'ai besoin de... Attendez. Hop, c'est l'object. Si je veux vendre. Oh. 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 Oh, tellement d'argent. Oh là 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 là. Bon, je sais pas comment ça marche export. On verra plus tard. De toute façon, on arrive déjà à la fin de l'épisode. On va voir juste s'ils bouffent là. Ah, ils ont fini ici. On va mettre mosaïque. Je vais remettre juste le mur. Voilà. Sinon, ils vont se retrouver nez à nez avec les gardes dans la salle de sécurité. Je veux dire, bon, hein. Je sais pas ce qu'on veut. Ouh, c'est limite, hein. Préparation de la bouffe là, c'était limite. Ça part à une vitesse démesurée. Est-ce qu'ici ils ont la bouffe? C'est où? Oh là là, je suis aveugle. Ouais. Ouais, putain. Oh putain. Oh putain. Ouais, c'est bon pour l'instant, il y en a assez. Ouais. Ah, ils ont peut-être pas assez le temps. Il va falloir peut-être que je revoie mon régime en fait. Effectivement, parce que là, il y en a beaucoup qui ont pas le temps de bouffer. Ah, ça va être encore un problème la bouffe, je le sens.
Ça va être un putain de problème. Bon, bref, voilà, on arrive à la fin de cet épisode. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Bon, si vous avez pas aimé, je comprendrai, puisqu'on a rien foutu. Mais dites-moi comment on exécute. Voilà, comme ça, on se marrera pour le prochain épisode. En tout cas, lâchez un petit j'aime, un petit commentaire, n'importe quoi. Et moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut à tous.